prend l'heure du dîner, tu sais, quand on avait fini de manger. Il y a un groupe de filles qui nous a dit « Ah, voulez-vous qu'on aille vous montrer l'école, un school tour » qu'ils ont appelé. Quand on a commencé à marcher dans les couloirs, on se faisait beaucoup regarder. Puis là, j'ai commencé vraiment à être fébrile. J'étais comme « Ben, voyons, tu sais, on se fait vraiment regarder. » Ben, j'avais pas l'idée dans ma tête que « Ah, oh, eux, ils sont pas contents qu'on soit là. » Moi, ça m'a pas passé par l'esprit. Sûrement que moi, je me suis dit « Ah, oh, ils savent pas qu'on vient pour un film. » Ils se sont mis à nous suivre, à crier, comme si y avait un party, mais pas dans le bon sens. Ils criaient, mais on dirait qu'il y avait la rage, puis ils étaient insultés. Traité de plot gaspésienne, estite blanche. Un petit peu partout. OK. Est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience à Pierre Lapin? Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez des trucs comme ça à votre école? Ben, des fêtes. Oui, mettez ça en tête. Nous, on en sort à chaque semaine. Ouais, chaque semaine, ça vient chaque jour. Comment ça va? Bien. C'est malade. OK, on a eu un heure du dîner un peu tumultueux, si je peux m'exprimer ainsi. Je veux juste m'assurer que tout le monde va bien, qu'on est correct. On met ça derrière nous. À mes côtés, monsieur Philippe Lamoureux, le directeur de l'école, qui est venu nous dire un petit coucou, qu'il y avait un petit quelque chose à nous dire. Je vais demander, vous souhaitez la bienvenue, mais il paraît que mes élèves s'en sont chargés à l'heure du midi. Votre présence semble avoir causé un effet de curiosité. Où est-ce que il y a plusieurs gens qui se sont demandés, mais c'est qui ce paquet de jeunes blancs-là qui débarquent? Fait que je suis désolé de ce que vous avez vu. C'est vraiment un effet de foule. Ils sont pas comme...